Hello, bonjour, ça va? Je suis là, j'ai repris le boulot hier, mais j'étais débordée, donc pas le temps de faire le Japa. Je suis là pour quelques jours, voilà. On va parler de trois dossiers. Mathilde Brun. Déjà, si nous sommes rentrés dans le silence, je dis nous, Michel Essomba, Aurore Angula, Cristal et Joa Bondo. D'ailleurs, c'est Michel et Cristal qui m'ont mis là-dedans, là, parce que genre, ils s'en sortaient pas. Et parce qu'ils ne voyaient pas le bout du tunnel entre les cris de leur enfant et la position de la famille. Sachez donc déjà que le corps de Mathilde Brun ne sera pas enterré au Cameroun. Voilà, je vous l'annonce officiellement, solennellement. Michel va vous le confirmer, Cristal va vous... De toute façon, on va vous déposer les documents pour que vous-même vous attestiez. On va aussi vous déposer des vidéos où la famille part finir avec le moulin de la défunte. Nos familles. Ha! La propre soeur Sophie, là, elle n'a pas l'intention d'aller au deuil. Donc, on allait aller jeter sa soeur là-bas au village. Elle n'avait pas l'intention de mettre ses pieds là-bas. Ça aussi, on va vous le prouver. D'accord? On arrive, on vient. Les choses ont été faites convenablement. L'ambassade a été saisie. On a obtenu l'accord de l'ambassade. Le procureur a été saisi. Le corps est scellé. Donc, les histoires que vous entendez, que bah, l'évêque de corps est monté, l'évêque de corps est descendu. Vous allez même voir aussi les vidéos de la tchan. Puisque tous ceux qui partent là-bas pour aller qu'il aime le petit, finir avec lui. Ah, ils n'espèrent pas qu'ils reçoivent seulement leur part de convocation. Jusqu'à ils insultaient même les nièces ce matin. Je vous dis qu'on fait pitié. Nous faisons pitié. Je suis un peu occupée. Donc, mais anyway, je suis revenue pour gérer ça. Il y a ça, il y a Xavier qui est mort aussi. Le petit qu'on aidait là. Il y a Xavier qui est décédé. Il y a aussi mon frère, Paul Désir, avec qui on est en train de vouloir finir là. Bon. On va parler de ces trois choses. Après, je vais encore m'éclipser. Je vous ai dit qu'en 2023, j'ai décidé que ce réseau social toxique, je ne m'éternise plus ici. Reste un peu, et puis je m'en vais. Quand tu regardes même que les gens qu'on aide, eux, ils n'aident pas les autres. Hein. Plein de gens que j'ai soignés ici. Quand toi, tu viens leur dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'eux, ils ne donnent pas. Hein. Vraiment. Nous, quoi? En tout cas, ça arrive. Asseyez-vous. Je pense qu'on va même voir pour organiser une vidéo directe chez quelqu'un. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Peut-être Tata, Doudou. Je sais pas, peu importe. On va trouver. Moi, je n'ai pas envie de me lancer dedans dans une vidéo directe. Je vous ai dit que c'est addictif. Voilà. J'ai même pas envie d'ajouter la folie à ma folie. Moi, il y a des gens qui savent gérer ce genre de choses. Moi, je connais mes limites. J'ai pas envie de lancer une vidéo directe. Vous pouvez commencer à lancer ça chaque temps. Pas envie de finir une jonquille de Facebook. Ben, vous avez déjà l'essentiel. Les papiers arrivent. Je vous dis qu'on a tout. Tout. Vous allez même voir des vidéos âtres. Terribles. Des fois, vous croyez que vos familles sont pires. Il y a pire dehors. Il y a pire ici. La suite vient. Asseyez-vous seulement. Chacun va devoir s'asseoir comme ça, réfléchir à sa vie. Que, donc, ma vie peut basculer à tout moment comme ça si je crame ça. C'est ça qu'il faut retenir. Tirer les leçons de ce qu'on voit.